Hi guys, donc je dis à nous allons continuer avec l'exercice qui nous a commencé dans la première vidéo. Hein. Si vous avez regardé la première vidéo, nous avons fait tout ça qu'on a regardé dans l'écran. Si vous avez regardé, je vais quitter le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir regarder. Nous allons faire l'exercice qui nous a promis dans le commencement pour nous allons appliquer tout ensemble des éléments qui nous ont envoyé pour nous capable arriver avec un résultat qui est pareil avec ça que nous regardé dans l'écran. Ok, on commence. Commencer. Comme ça, on a fait, on a créé un autre élément, nous parlons de l'idée avant, on a créé un autre fichier, on a pris par exemple, et pratique. On a pris pratique, et pratique par exemple, .html. C'est pour montrer que au cas où et fichier à n'importe nom que vous voulez. Depuis le .html là. Nous créons fichier, on a créé structure de base et HTML là. Je vais me faire à côté pour que vous voyez toute partie à net. Ok? Je vais m'ouvrir ça un petit peu en plus. Que ce n'est pas ça, on a brûlé pratique par exemple. Pratique. Ok? Donc, pour nous, qui ça a besoin pour nous faire là? Je vais quitter ça à l'écran pour nous capable garder et pour nous voir qui ça qui nous va le faire. Ok? Je vais quitter ça là comme exemple. Je vais faire mes parties ça. Je vais faire mes derniers exercices qui nous fait là. Je vais faire ça. Je vais faire mes pages moins tout. Je vais quitter ça là comme exemple. Je vais ouvrir ça dans la page moins pour nous capable de gagner tous les deux là. Si nous regardons, par ça, les blanches, ils ne vont rien là-dedans. Ils ne vont rien là-dedans. Donc, qui ça nous va le faire avant? Nous allons ouvrir ça là. On a commencé à faire ça depuis le zéro net. On a fait tout le bagage pour tout le monde. Comment nous arriver à un résultat ça? On a pris l'étiquette style. Et puis, nous allons sélectionner compagnie là, qui c'est body. Là, nous allons sélectionner toute compagnie là, nous allons sélectionner body. On a pris le background. On a pris le couleur qui est bleu par exemple. On a pris le couleur qui est bleu. Mais bleu, ça a un petit genre trop foncé. M'a changé de m'a descendu en façon pas trop ennuyé. On va le couler comme ça. Yeah, right. That's good. Ok. Qui ça nous va le faire? On nous garde le premier exercice pour nous travailler, pour nous diviser l'élément ça qui est là. Par exemple, si nous regardons la partie ça qui est là, nous sommes capables de diviser en deux parties. Deux grandes parties. Qui ça veut? Nous avons gagné là, nous avons en tête là, mon petit lexique de bourreau, nous avons gagné ça, c'est pour une div que nous avons là. Ok. Ça, c'est pas une div. Et puis, nous avons l'autre gros div qui gagne toute partie ça. Donc, nous avons gagné deux divs là, dans l'élément HTML. Et puis, si nous regardons la deuxième bout là qu'il a, je vais sélectionner une autre couleur. La deuxième bout là qu'il a, nous sommes capables de diviser chaque item ça, chaque partie ça là, nous sommes capables de diviser en div. Ok? Ça veut dire, le gros div vert que nous gagnons, il va gagner quatre divs en dedans. Est-ce que nous comprenons ce que ça m'a fait là? Donc, c'est comme ça, lorsque vous commencez un exercice, c'est comme ça, vous divisez l'en div, après ça, vous pouvez voir qui ça vous fait. Ou pas, vous sur HTML là, vous commencez à écrire des codes, mais vous pensez comment on peut le travailler, comment on peut le structurer, sans pas le faire, pour pouvoir faire plus bien et plus rapide. Donc, nous commençons à travailler en bas, en fonction de ça, nous fait là. Nous te dit qu'on a besoin d'un premier div. On a bien un premier div, on a mis des div. Ok, ça, c'est un premier div qui me dit ma bien, et puis on va mettre un deuxième div. On met dans le deuxième div. Ok, quand on a là, on a gagné deux divs, ça, ok, on a dit, on a mis là. Le premier div là, en dedans, on a mis, on a gagné, on a gagné un input, côté capable d'écrire là-dedans, ok? On a un input, et puis on a un petit bouton qui est à côté là. Qui ça m'a fait? On a mis un input. Input. Ok? On met dans input. Et puis là, on va mettre un qui type, on va mettre type text. Text par exemple, ok? Et pour nous mettre ça qui est dans la salle, si je ne pas un en dans ça, ok? Par défaut, li mettez un bagage. Pour nous faire ça, on a appliqué ça avec place order. Et on va mettre type sum. Ok? Good. Quand on est là, on a conservé. Non, je vais ajouter bouton avant. On a mis un bouton. On va mettre un bouton. Button. Et bien, dans le bouton, on a mis add. Ok? On a conservé. Immédiatement, on a conservé. Si on a allé l'autre bois là, on a regardé. Moi, j'ai gagné deux parties ça. Là. Moi, j'ai gagné ça. Là. Moi, j'ai gagné input là. Moi, j'ai gagné bouton. On a regardé là avec deuxième. Là. Deuxième div là, on a gagné quatre éléments. Là. On a gagné quatre div. On a mis un premier div. Ok? Oh, yeah. Sorry. On a mis un premier div. Et puis, on a mis item. Item. 1 par exemple. Et puis, on a copié ça 4 fois. Nous copions 4 fois. Et puis, on a mis là. On a mis 2. On a mis 3. Et puis, là, on a mis 4. Here we go. Donc, là, on a regardé là. Nous avons tout élément ça. On a regardé
Nous avons tout HTML qu'on a besoin pour nous faire ça à faire. N'a pas de comment il paraît l'aide de nous pas appliquer CSS. Avec CSS, nous va arriver dans le résultat ça. On commence avec la première partie ça là qui c'est tête là. OK? On travaille avec tête là. Qui ça a fait? Div ça qu'on a là, nous va le bailler une classe. La bailler une classe. N'a prendre par exemple et tête. N'a pas. Souvent fois nous on écrit et classio en anglais. Li vraiment intéressant et avantage l'on programmer ou programmer en anglais. Sou pa parler anglais, li pa un problème, mais tant ou gen ti vocabulaire anglais, ou capable utiliser anglais, li vraiment bon parce que soit regarder tout ça qu'il a c'est en anglais. OK? Li vraiment intéressant l'on programmer ou utiliser anglais, OK? N'après les div ça anglais le header qui c'est tête et puis nous va sélectionner header ça, on met des classes header. Premier bagage qu'on a fait, nous va le bal une couleur de fond. Donc là des fois pour nous faire ça dans bal background. Nous devons couleur c'est blanc dans bal background right. Pour nous capable une couleur qui blanc. C'est à partir là nous retenons bien résultat non là. OK? Mais l'autre bagage que on va faire avant, on va centrer élément ça là mi-temps page là. Et m'a pas le display flex pas qui pour ça m'a faire là parce que m'a pas voulu entrer là dedans parce que c'est une partie qui vraiment intéressant côté on va le display flex qui c'est un élément c'est un parti la CSS qui est vraiment intéressant qui permet qu'on travaille bien rapide. Ma pauvre entrée là-dedans, c'est la fin de expliquer. Non, ok, m'a fait ça bien rapide. Ok, n'a pas la commande, nous centrer l'élément noir, nous mettez là la mi-temps page là. Ok, pour les bagages, on a fait, nous prenons le bail, regardez ça, m'a fait un petit zoom, nous capable de bien. Nous prenons le bail, nous prenons l'agent qui fixe. Par exemple, nous capable de dire oui. Je vais par exemple 300 pixels. Si les pigots, je vais retirer là-dedans. 300 pixels là, il y a un petit genre 3. Je vais 250 pixels par exemple. 250 pixels, ok? Bien, maintenant, nous allons travailler avec input ça qui là. Nous allons sélectionner input là. Le fait qu'il n'a pas eu ça, je vais seul input. Il n'y a pas de problème, je vais sélectionner avec nos étiquettes là. Input. Qui ça a fait? Je vais retirer, si je regarde à côté là. Ouais, les nous sélectionner, il y a un petit bagage à côté, il y a un petit bolder qui paraît à côté, par défaut qui paraît LED. On a retiré, qui ça a fait, on a dit bolder. Même j'ai fait avec bouton en dernier, nous retirer bolder, on a balé non. Et puis on a dit oh my god. On a balé outline qui fait presque même travail avec bolder, on a balé non. Immédiatement on fait ça, on a regardé disparaître, pas rien qui paraît à côté à dit tout. OK? Et qui l'autre bagaille a fait? Nous allons faire un espace par en dedans. Si nous regardons là, nous allons faire un input ça, il s'agit de padding. Nous allons faire un padding par en dedans. Nous allons voir comment il va apparaître. Il va apparaître en disant pilage. Nous allons dire padding. Ok? Nous allons dire par exemple, nous allons faire 8 pixels. Nous allons 8 pixels. Regardez immédiatement qu'il va 8 pixels. Regardez comment il va faire un espace par en dedans. Si je retire, regardez, je vais retirer. Je vais procéder. Ma mette n'a pas de comment il paraît un petit genre, il va ça se pendre. Est-ce que nous comprenons? L'autre bagage que nous allons faire, nous allons travailler avec bouton. Avec bouton, ça qui est là. Ok? Ma sélectionne bouton. Hein? Même idéal, le fait que son seul bouton qui est là, il n'y a pas de problème quand on sélectionne bouton. Qui s'en a fait? Et n'a pas retiré Bolder qui vient à côté à tout. Je dis non. Et puis après ça, ma fait que hauteur bouton ça, les mêmes grosses. Les mêmes grosses avec. Avec en dans salia qui c'est en dans div ça qui ça pour faire ça qui ça n'a fait n'a dit on fait de 100% l'indiquer 100% ça veut dire grosseur hauteur bouton n'a pas le même hauteur avec élément qui c'est pas pas là bagage ça nous parler tout la couche html là qui me défait avant. OK, ça veut dire bouton ça il parle point hauteur pas pas là qui c'est div ça il point 100%. OK, si n'a pas à côté à la grand espace, ça veut dire bouton n'a il pas arrivé à côté à or là. L'exercice original là, regardez comment il paraît à côté à là. OK? Pour nous faire ça, qui ça va utiliser dans HTML? Ça va être float. Qui ça float là fait? Float là, par exemple, quand on dit float, on dit right. OK? Sorry. On va conserver ça pour montrer qui ça float là fait. Regardez immédiatement que, oh, je vais l'écrire, c'est right. J'ai acheté. OK? Immédiatement que je vais mettre float right, qui ça fait? Regardez l'élément ça, il y a à côté. Qui ça fait là? Bon, me tourner, bon, conserver pour me montrer qui ça fait. Je vais bouton couleur. N'a pas le couleur. Par exemple, background, je vais blue. Et puis, je vais changer couleur ça. Je vais pas le couleur qui est presque mis avec ça qui n'a pas déjà.
m'a pas le couleur qui est différent, m'a pas le couleur qui m'a pas le couleur rouge comme ça pour ne pas brûler bien. Gardez bouton là pour qui côté lié qui ça me fait les moi appliquer flotte là qui ça flotte là fait les petit flotte right qui ça le fait les points bouton ça qui là les points bouton ça qui là il y a le mettre juste là coin net ça veut dire il fait il fait juste là coin net c'est ça flotte là fait. Si je prends le bouton ça, au lieu de dire right qui c'est à droite, je vais mettre left qui c'est à gauche, ou après le bouton ça, il vient juste là comme ça, à côté. Là. Ok? Je vais faire ça pour mon tour. Le fait que là, je vais right, je vais changer, je vais mettre là à côté là. Ok? Et puis là, si je vais mettre left qui signifie à gauche, je vais regarder qui ça va passer. Il paraît pas devant. Est-ce que nous comprenons ça que fait la bien? Donc, flot là, c'est ça le fait. Il met l'élément juste à gauche ou il met juste à droite. La capable nous besoin juste à droite. Donc, on a quitté là avec right. Ok? Je vais changer ça. Je vais mettre le couleur bleu là pour nous capable gagner le même résultat avec ça nous gagner l'autre bord. Ok? Et puis, dans le bas texte, on couleur qui blanc. Et color right. Ok? Si nous regardons la couleur, nous pouvons skier le même résultat ça qui là. N'a pas dit là, si nous tournons là, c'est presque le même résultat que nous avons la partie qui est en l'air. Ok? Si nous regardons pas vraiment une différence vraiment. Donc, on continue de travailler pour nous capables de arriver côté de l'arrivée. Ok? Quand on a le travail avec div ça qui là, deuxième div là, qui ça a fait? N'a pas une classe, n'a pas une classe qui a pris par exemple, résultat. On va une classe qui est le résultat, et puis on va sélectionner div ça. On va dans l'air là, on va dire résultat. Et puis m'a dit et background m'a pas une couleur qui blanc par exemple m'a pas une couleur qui blanc n'a pas de qui ça passé n'a pas de premièrement m'a pas une width m'a pas une grosseur qui même genre avec ça en l'air m'a pas une grosseur qui 250 pixels pour capable même grosseur avec partie qui en l'air n'a pas de qui ça passé qui ça nous est passé là n'a pas de pas bon espace vraiment entre résultat là qui c'est premier deuxième boîte là avec premier boîte là. Oh là, l'original là, n'a pas de nouveau espace qu'il a. Ok? Donc, c'est ça, n'a pas le travail. Pour nous faire ça, n'a pas utilisé ça, les machines. Ok? C'est ça, fait me dire, exemple ça avec vous pour nous comprendre comment le fonctionner. Si je parle là, je dis machine, et puis je dis par exemple, je vais aller au machine de 20 pixels, par exemple. N'a pas de, immédiatement que je vais aller 20 pixels là, comment détacher en l'air des éléments ça. Il va aller au espace là. Elle dit espace ça qu'il a, espace ça qu'il a laissé 20 pixels. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est comme ça, machine là, il travaille. Donc si nous regardons là, nous presque le même résultat là. Nous presque le même résultat. Ok, on continue de travailler. Donc on est capable de dire là, première partie à finir avec. On n'aime pas le travail avec chaque élément ça qu'il a. Ok, si nous regardons là, chaque élément ça, il y a un espace, les mettre sur la solution, il y a une autre couleur et puis il n'y a pas. Il n'y a pas attaché avec l'élément ça. Vous avez par en bas ou tout, il y a une petite ligne par en bas. Donc, comment on peut faire ça? Nous allons faire chaque élément ça, il y a une classe. Ok? Nous allons faire chaque classe, nous allons faire la classe ça, item. Ok? Nous allons faire l'item. Nous allons sélectionner l'item, non? Et puis nous allons aller là, nous allons mettre le point, et puis item. Nous allons faire le travail avec item. Premier, ça n'a fait, n'a pas lieu un background. Si nous regardons le background, il y a un genre gris. Il n'y a pas fini blanche net. Donc, on a dit background. Background. Et on a mis gris. Mais gris, ça, il y a un genre foncé. Je vais mettre un gris qui est pâle, qui est attiré sur blanc. Here we go. So, on a regardé comme là, nous presque même couleur que nous avons l'autre bois. On a regardé, nous presque même genre. Qui l'autre bagaille a fait? N'a pas de texte ça li collé sous div là. Qui ça a fait? N'a pas un espace, n'a pas utilisé padding parce que moi je vais pas un espace par en dedans pour me détacher ça quand dans la sous li, m'a pas utilisé padding. Comme quand vous avez dit padding, m'a dit par exemple, on capable 8 pixels. L'aime pas 8 pixels là, n'a pas la bas ni en les ni en bas ni à gauche ni à droite même quantité. Here we go. N'a pas dit qu'on a là comment li détacher des éléments li pas coller sous li encore. Nous allons ajouter ti ligne quelque part en bas là pour nous faire ça on a utilisé bolder là ici on a parlé de bolder mais nous pas parler tout côté on en a parlé seulement par en bas on nous commence si on a dit bolder et puis on a mis là new pixel on a dit solide et puis on a dit et on a parlé de couleur qui on a parlé de couleur qui noir comme ça et puis on a retiré opacité. Ok,
gade sa kwa se pwè. Petè nou gwenè pa ou fwèman wè, nam gade sa ke mwen bali la, li bali ni an ba, ni an lè, ni an gòsh, ni an dòt. Tap gade akote la, li gen men bagay la. Poutan la orijinal la, nam gade li bali selman pa an ba. Ki sa na fè? Premèman nap desan la, ou lè nbali yon piksel nap bali, wè, oh my god. Ou lè nbali yon piksel, nap bali 0.3 piksel. Nap bali pou nan bali fè l pipiti. Ok? Men, ma pritikel, mwen bezen bali selman pa an ba. Lè mbezen bali yon bolde pa an ba, ou lè metize bolde ki bali tout kote yo, ma bali, ma mette dash, ma bete tire sa, epi mette badan. Sa viti mwen di, mwen bali pa an ba selman. Ça dit qu'on a la regarder li prend seulement pas en bas. Est-ce que nous comprenons? Même faut monter de ça faire. Si par exemple on t'a pas ça au poulet qui bouge pour nous voir différence là et puis me d'aller tirer pardon là. Ah non, moi mal fait. Oh my god, sorry, I'm so sorry. Là, moi t'a mettre ça poulet qui bouge au limbe. OK? La pas qu'on a là tout à côté ça, moi mettre un pixel, moi mettre 3 pixels pour capable voir. Pour me voir voir différence là. La pas de pouet. Li bali tout côté honnête, ni bali ni en l'air, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Mais si qu'on a la main, mettez ça là, mettez bottom. Bottom. N'a pas de qu'on a si conservé, n'a pas de qui ça pas passé. Li bali seulement pas en bas. Si nous devons bali seulement en l'air, nous mettez top. Ok? Si nous devons bali seulement pas à gauche, nous mettez left. Si nous devons seulement bali à droite, nous mettez right. Vous voulez que nous comprenions bien qui s'appelle là. Dans le cas, ça nous faisait seulement pas en bas, nous mettez bas là. Ok? Le bagage qui nous pourrait faire, c'est ça, il y aurait les. Nous pourrions descendre dans ça, nous mettez 0.3. Et puis, nous changer pour les A qui un gris pour nous capables de plus sembler avec l'autre là qui l'autre bon. Nous mettez ça. Here we go. Si nous descendons dans la couleur, nous regardons, nous pouvons essayer de même petit bagage ça que nous avons là. Ok? Nous avons même petit bagage là. On a une bagarre qui nous faisait faire la couleur c'est n'a pas dit les mettre souris sous ça li ban nous notre couleur et puis nous avons l'autre petit icône qui paraît nous va faire ça partie ça couleur pour nous mettre icône là pas bien nous te faire pour nous faire ça mettre cursor et puis n'a mettre pointer. OK, si nous conserver la couleur mettre souris sous lui n'a pas dit les mettre sous chaque élément ça li ban même couleur qu'on a le faire que les mettre souris sous lui pour changer couleur. Pour nous faire ça, on a utilisé ça avec les pseudo classes que nous avons dans la vidéo bouton. On va mettre un link là en bas vidéo pour capable changer la couleur de la souris à souris. Donc, on va sélectionner l'élément que nous voulons mettre la souris à souris. On va appliquer over. Pas bien que over signifie la souris à souris. Qui semble passer la souris à souris? On va changer le background. On va dire background. Et puis, on va mettre une couleur qui rouge pour qu'on puisse comprendre plus bien. Ça le fait. Ok? Quand on va mettre là, les mettre souris sous l'élément ça là pour changer couleur à rouge. Regardez bien, ouais. Les mettre souris sous les changer en rouge. Donc on a là, on va balayer une couleur qui me déballe l'autre bord. On va balayer même couleur pour le capable paraître identique. Ok? Good. Ok. Si on regarde là, nous avons même bagage là. Quand on a là, on a regardé les mettre souris sous les, on a mis le texte ça qui là, on va balayer une couleur qui est blanc. Regardez l'original là, il y a une couleur qui est blanc. On a fait même bagage là, on a mis couleur et puis on a mis right. Si on a changé l'autre bois là, on a mis souris sous ça, on a regardé. Les changer souris, il y a une couleur qui est blanc. Donc si on a regardé la couleur, nous avons des exercices qui sont devant nous. On a regardé, c'est même bagage. Sauf que la couleur a changé, mais c'est vraiment même bagage là qui nous fait là.